Bon, je pense qu'avec le 69 Hello, on tient vraiment une bonne implantation. Ça devrait bien plaire sur le marché français et à l'export. Non, franchement, j'y crois. Bon, pour le mettre en avant, je pense qu'il faut que j'appelle Cyril et Eddy. Je pense qu'ils vont savoir faire. Oui, c'est Cyril et Eddy? Ah, très bien, comment ça va? C'est Mickaël Langlois, Fleurette. Bah, ça va bien, ça va bien. Je vous appelais parce que j'avais besoin d'un petit service. Alors, si vous pouvez passer à l'usine dans les jours qui viennent, ce serait parfait. Je sais que vous n'êtes pas vraiment très loin, mais. Bon, très bien, merci, bah, à bientôt, je compte sur vous. Bonjour Mickaël! Bonjour Mickaël! C'est incroyable! Mais je viens de raccrocher. Hey, mais tu nous dis passer, Mickaël, tu nous Mais dis comment passer, on faites-vous? passe! Réactivité! Mais comment faites-vous? Mais pour toi, pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je suis bluffé. On t'écoute! Eh bien, écoutez, on a une nouveauté. On a Oui? une belle nouveauté pour Oui? l'année prochaine, hein, et je pense que ça va plaire, beaucoup plaire. Il s'appelle 69 Hello. C'est un D'accord. profilé sans lit permanent, avec un lit principal, lit pavillon, Ouais, ah, moi qui j'aime bien. baisse Ouais, vraiment ça à t'aime bien. 80 cm. Un truc vraiment top. Avec une grande soute, une grande salle de bain, une grande cuisine, vraiment quelque chose de top. Mais je vais avoir besoin de vos services pour faire une petite vidéo. Tu veux qu'on fasse une vidéo? Ah ouais, sur le site. Ouais, YouTube. Non, Non, mais on a pas c'est le pas une temps là. question en fait. Vous allez le faire. Ah Ah d'accord. d'accord. Eh ben on va le Bon, faire. bah, on y Eh ben va. allez, On va aller, si on est allons-y. d'accord. Allons-y. Eh ben c'est parfait. Merci messieurs. Allez mon petit poulet. Alors? On a pu résister. Nous n'avons pas pu résister. Il a fallu qu'on vous présente ça aussi. Eh oui, Eh tant oui. qu'à faire. Ah oui. Tant qu'à faire. Autant le faire d'une pierre deux coups. Ouais, ah oui, bah là, pour le coup, il va même y avoir plusieurs coups là. Ouais. Eh ouais, attends, attends. Alors, Oh. on est toujours dans l'année 2020 alors. Ah bah là, on est sur du 2020 à fond là. À Comment on fond, dit? Eddy. Eh oui, on va. Qui c'est de beau? Eh ben parce qu'on va vous présenter une innovation chez Fleurette. Un nouveau véhicule dans la gamme Florium, donc qui a été mis dans la gamme Florium, un nouveau camping-car, une nouvelle implantation. Alors pour expliquer un peu tout de même, comment dire, dans la gamme Florium, donc c'est un nouveau véhicule qui arrive. C'est pas une nouvelle implantation, c'est-à-dire que c'est une implantation qui commence à fonctionner. C'est-à-dire qui, vous savez, on vend beaucoup de Licentro, c'est une énorme partie des ventes. Mais il y a une implantation qui, depuis quelques années, perce un petit peu sur le marché, commence à trouver sa clientèle, et les marques, évidemment, s'y intéressent et le font à leur façon. Eh bien, Fleurette, eh ben, ils font partie de ceux qui enquillent le pas, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas cette implantation dans leur gamme. On va vous présenter le 69 LO. Mmh. 69 LO. Hello. LO. Hello. Voilà. Nous allons vous parler d'un véhicule avec un espace de vie, l'espace de vie qui est mis en avant sur ce véhicule-là. C'est voilà, c'est l'espace de vie. Il n'y a pas de lit. Exit le lit central, exit le lit fixe. En fait, nous n'avons pas de lit fixe. Nous sommes sur un véhicule qui va faire moins de 7 mètres de long, mais où l'espace de vie et le rangement, mais où l'espace de vie et le rangement sont mis en avant. Où l'espace de vie et le rangement seront votre leitmotiv. Ce serait pas une de tes implantations, ton implantation préférée? Ça fait partie de mes implantations préférées, mais oui, c'est vrai, tu as raison, Eddy. Ça fait partie des choses que j'aime, avoir un grand salon sans avoir un véhicule qui est très très grand. Ouais. C'est pour ça que je tenais à présenter ce véhicule-là, parce que Parfait. c'est vrai que ça fait partie des implantations que j'aime énormément. Donc merci à Fleurette de nous laisser présenter et vendre aussi ce véhicule-là. Puisque nous sommes sur un véhicule qui fait moins de 7 mètres, avec un maxi salon, une maxi salle de bain et une très grande soute et des rangements en veux-tu en voilà. Véhicule bien fait pour deux, très bien fait pour deux, pour avoir de l'espace encore une fois. Possible pour quatre, puisque nous pouvons faire deux lits permanents dans le véhicule, pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un véhicule qui va plutôt s'adresser à une clientèle de couple qui a envie, voilà, hein, qui a envie d'avoir de l'espace et de bouger dans son camping-car. Ok. On regarde fait l'extérieur? le prix du véhicule, Oui, le pardon, prix là. Ouais. On oui, va faire le le prix. prix. Ah Allez, oui, venez le voir. prix. Notre 69 LO, c'est dans la gamme Florium Mayflower. Le prix catalogue, 62 500 euros. Prix catalogue du profilé. Qu'est-ce que nous avons pour 62 500 euros dans le véhicule, Eddy?
On a le châssis Fiat à voie élargie, évidemment. La cellule 100% polyester, vous savez, fait main chez Fleurette. Le recovery system avec le Protect System. La climatisation cabine. Le grand frigo 150 litres avec le conservatoire. Le conservatoire, c'est là où tu joues de la musique. Le réservoir d'eau propre en 120 litres et la porte-cellule XL. Qu'est-ce que nous avons encore ? Alors, le véhicule, on est en 140 chevaux. Il faut savoir que Fleurette ne sortira pas de véhicule en 120 chevaux. Hein ? Ils seront tous de base en 140 chevaux, d'où aussi les augmentations de tarifs qui vont avec. On est sur un PTAC en 3,5 tonnes. Alors, on s'excuse, mais on fait cette vidéo relativement tôt dans l'année. Donc, les véhicules n'ont pas encore passé les homologations. Donc, le poids à vide n'est pas encore connu à l'heure où on fait cette vidéo. Cela dit, au moment où vous irez voir votre concessionnaire pour pouvoir acheter ce camping-car, vous inquiétez pas, les homologations seront passées et on aura cette information. Et nous avons deux grandes portes soutes, mais on vous en dit pas plus, ça viendra après. Pour ce qu'il y a, le véhicule qu'on vous présente, il va être affiché à 64 680 euros, puisque le véhicule a deux options. La première option, c'est le pack confort à 1590 euros. Qu'est-ce que ça veut dire, le pack confort ? Je le sais, on va aller de l'autre côté. Eh bien, on va de l'autre côté de la biche. Et le pack confort comprend la porte cellulaire Artal avec la baie, la moustiquaire, les stores plissés en cabine, l'autoradio CD Bluetooth, les haut-parleurs avant Focal, donc Focal, la marque française avec un excellent son, le régulateur de vitesse, les sièges cabine réglables en hauteur, le vide-poche central, l'airbag passager, rétroviseur électrique dégivrant, la hotte aspirante avec l'extraction latérale, l'inverseur gaz automatique, plaid et coussins, galerie de plaid et coussins et la galerie de toit. Donc voilà le pack confort. Ça, c'est le pack confort. Et une télé 32 pouces. 32 pouces. Ça fait beaucoup de pouces, ça. Ça fait une grande main. Oui. 4 places carte grise, 5 places pour le repas et 4 places couchage. Nous le répétons, les fleurettes sont bel et bien garanties 5 ans pour l'étanchéité. Et non pas 3 ans comme on a l'habitude de le dire. Ils sont garantis 3 ans sans avoir besoin de contre-visite. Mais à partir du moment où vous faites votre visite d'étanchéité à partir de la 3e année, il est garanti pendant 5 ans pour la 3e, la 4e et la 5e année. D'accord. Okay. Les dimensions de ce petit véhicule, 2,75 m de haut, comme tous les Floriums, 2,34 m de large et 6,97 m de long. Pas long. On est... Hein ? Pas long. Et ouais, on est inférieur à 7 mètres. Et vous allez voir que malgré cette taille réduite, on a un espace de vie qui est royalissime. On montre l'extérieur, Eddy ? Allez, on sort. Alors, l'extérieur donc. On fait un petit tour ? Allons-y. Sur notre extérieur, comme tu le vois ici, donc on est sur notre cabine Fiat. J'ai envie de dire classique parce qu'esthétiquement, elle n'a pas changé. C'est juste les motorisations qui ont changé. Tu le vois ici, hein, le galbe du profilé Florium. Donc, encore une fois, on le répète, les moules, c'est 25 pièces de polyester qui sont assemblées pour faire votre profilé fleurette. 25 pièces de polyester qui sont faites main, faites en usine, juste derrière, là, dans l'unité de production. Donc, on a vraiment une construction qui est... On est artisanal sur cette partie-là. Et Fleurette, c'est une des seules usines où tu vas avoir de l'industrie et de l'artisanal liés ensemble. Et c'est beau. Et c'est beau. Regardez notre visite d'usine Fleurette, la vidéo qu'on a fait. Vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Donc, on est en jante, en 15 pouces, jante alliage sur le véhicule. Et comme tu le vois ici, 2 litres 340 chevaux. Parfait. C'est le 130 de l'année dernière, malgré le fait que ce soit... normalement une option, c'est-à-dire que les véhicules sont livrés chez les constructeurs, enfin le prix Fiat est un 2 litres 320 chevaux et là le constructeur Fleurette choisit de ne proposer que des 140 chevaux. Donc les augmentations de tarifs qu'on a sur l'année 2020 sont dues à ça, c'est que vous avez soit l'option 2 litres 320 à 2 litres 340 que vous choisissez de payer, soit c'est déjà inclus dans le prix, c'est le cas des Fleurettes, ils ne proposeront que du 140 sur toute la gamme, 140. Ok ? On continue. Donc, on est tout en polyester sur les fleurettes, le 69 LO. On a évidemment nos baies affleurantes dans le véhicule avec des vérins à pression. Donc, pas de clic-clic-clic-clic, ça c'est très bien. Notre porte avec l'éclairage extérieur au-dessus. Grand frigo. Ça, c'est assez logique, encore une fois, vous verrez sur l'intérieur. Et Eddy. Regarde ça.
Regarde la place qu'on a dans cette soute. La soute est tout simplement immense, quoi. Hein. Oh là là, oui. D'accord. Ça, tu vois ce qui est mis ici, oui. Ça là, ces coussins, c'est pour faire le deuxième lit. D'accord. Le deuxième lit permanent. D'accord. Donc les coussins sont là, c'est bien, ils tiennent pas de place, ça veut dire qu'ils sont pas mis dans la soute. Donc on a vraiment. Ça, c'est les filets de retenue du lit. On est sur un prototype. Hein. Là, ouais. Le véhicule qu'on vous montre, c'est le premier véhicule sorti. C'est celui que le constructeur nous présente à nous, avec toutes les améliorations qu'il y aura encore derrière. Mais tu vois, là, par exemple, le filet de retenue, il sera évidemment mis quand il sera livré en concession. Quoi. Donc, on retrouve après nos prises. L'éclairage, la prise 220 dans la soute. Mais là, la soute est simplement immense. Tu mets les vélos, tu mets un petit scooter, il n'y a aucun problème. D'accord ? Très, très grande soute. Pour du 7 mètres de long, encore une fois, je le répète. Notre moule arrière, donc typique de Florium, avec le galbe, avec tout ça, qui est juste magnifique. Pardon, je voyais pas ma main. Deuxième ouverture, alors on peut pas avoir une aussi grande ouverture, vous le verrez pourquoi à l'intérieur, parce qu'il y a certaines contraintes derrière ici, mais malgré tout, on a quand même une deuxième ouverture pour venir chercher le matériel qu'on a posé de l'autre côté de la soute. Donc ça, très très bien. Tu vois l'épaisseur des, l'épaisseur des portes. On sent, tu vois, on sent la qualité de fabrication au toucher. Déplacez-vous dans une concession Fleurette Florium, touchez le matériel, tout ça. Vous allez vraiment vous rendre compte de la qualité du produit. La cassette WC ici, on a notre inverseur gaz, notre trappe à gaz avec le nouveau crash sensor de chez Trouma qui est ici. Donc on met nos deux bouteilles de gaz de 13 kg avec les lires et on peut rouler bouteille de gaz ouverte. Il n'y a aucun risque là-dedans. L'évacuation du trou bas, branchement en 220 et remplissage de l'eau ici. Attention à la tête. Et puis voilà, écoute, extérieurement, on est sur un véhicule, encore une fois, extérieurement, c'est un peu les mêmes que d'habitude, mais c'est l'intérieur qui va beaucoup changer. Bah, on a hâte de voir ça. Dans celui-ci, c'est l'intérieur qui va beaucoup changer. Allez, allez viens. On va voir l'intérieur ? La cabine. La cabine, oui. Ouais, bien sûr, si tu veux. Ouverture de porte, double point, bien sûr, toujours chez Fleurette, parce que ça fait partie du pack confort que vous prenez avec le camping-car de toute façon. Baie occultante, fermeture centralisée, porte moustiquaire, vérin qui retient la porte, éclairage extérieur, on l'a déjà dit. Allez. Classique pour Fleurette. Allez, viens. Cabine. Classique, mais qualitatif. Montre pas trop l'intérieur. Non, je montre pas trop l'intérieur. Hop, et on se retrouve sur notre cabine Fiat. Encore une fois, on le répète, qui n'a pas changé esthétiquement. Le seul changement, c'est au niveau des motorisations. Rétroviseur électrique, vitre électrique. Nous avons les stores plissés. Ça, comme vous le savez, c'est pas que c'est indispensable. C'est super utile dans un véhicule. C'est vrai que c'est bien quand c'est monté d'usine. On sait faire. Hein, si jamais vous ne l'avez pas dans votre camping-car, que vous voulez le faire poser, c'est possible. Ouais, c'est les cassettes qui se rajoutent. Ouais. Exactement, ça fait en seconde monte, il n'y a aucun problème. Attention, c'est extrêmement fragile, mais il n'y a rien de mieux pour occulter la partie cabine de son véhicule. Régulateur de vitesse, airbag conducteur, airbag passager, radio Bluetooth. Nous avons ici la grande boîte à gants. Oui, ils ont choisi hein, de conserver cette, ouais. Cette boîte à gants. Ouais, sinon, tu as deux petits. C'est ouais. Vrai que c'est mieux. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir c'est du rangement, quoi. Hein, donc, c'est toujours bien. Ici, on met notre GPS ou notre tablette ou notre téléphone ou tout ce qu'on veut. Airbag conducteur, airbag passager, je l'ai dit. Et la boîte à gants réfrigérée, ça ne change pas. Je le répète, sur les fleurettes, de base, on est en 140 chevaux. Faites attention quand vous allez comparer les prix, tout ça. Avec les nouvelles motorisations, il faut bien tout regarder. Fleurette vous propose un 140 chevaux de série. Donc des fois, faites gaffe quand il y a des prix qui sont à partir de, ou ce genre de choses, que le à partir soit à partir de 120 chevaux. Au niveau des données techniques, si on parle un petit peu technique, a priori, alors on n'a pas encore vraiment essayé, il faudrait qu'on essaye, mais a priori, le 120 chevaux a l'air d'être en termes de couple équivalent à l'ancien 130 chevaux de Fiat. Après, comme on sait, il y a un aspect psychologique. Voilà, il y a un aspect psychologique. Fleurette, eux, ont misé sur un 140. Globalement, le 140 de cette année serait équivalent au 150 de l'année dernière. Donc globalement, aujourd'hui, si vous êtes sur un Fleurette de base sur un 140 chevaux, c'est comme si vous aviez acheté un 150 avant, donc à la limite, tant mieux, vous aurez plus de puissance, ça ira mieux dans les montées, tout ça, c'est parfait. Pas plus mal. Ok ?
Très bien. Est-ce que pour ce qui est de la cabine, tiens Eddy, on va monter. Hop, pour ce qui est de la cabine. Ah ouais, on a plus de. Mais c'est pas grave. Oui. On va allumer le moteur et on a plus de batterie. Pour ce qui est de la cabine, donc tu vois, on a un chez Fleurette. C'est ouais. Ça qui est bien, c'est qu'on a un habillage de la cabine avec ici beaucoup de rangements. Tu vois, c'est très profond. Oui. D'accord. Pour beaucoup les, de rangements et surtout bonbons, pour les bonbons, exactement. Il dit pour tes bonbons, c'est que toi qui mets des bonbons. Et surtout, tu vois, un compartimentage fermé ici. Donc encore une fois, c'est de la qualité au niveau de la fabrication, ça se sent, ça se voit. On a un sunroof qui est ouvrant avec la moustiquaire et l'occultant. Enfin, c'était l'inverse, pardon, l'occultant et la moustiquaire. Et de l'autre côté aussi, un compartiment. D'accord ? Ah ouais, donc une cabine... C'est travaillé. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Une cabine qui est travaillée, bien utile pour pouvoir... Parce qu'on a toujours, on a toujours besoin de rangement dans un camping-car, qu'il soit grand, qu'il soit petit, quoi que ce soit. On a toujours besoin de rangement dans un véhicule. Bah là, c'est vrai que dans la cabine, pouvoir ranger des choses et avoir des placards pour le faire, c'est très très bien. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on passe au salon ? S'il te plaît. Mm-hmm. Alors, salon, Pépère. Donc toujours très confortable. Hein. Oui. Les sièges des fleurettes, toujours très 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 confortables. Là on est sur une sellerie basique, j'allais dire basique, qui n'est pas proposée en option. C'est une sellerie, vous pouvez choisir gratuitement. C'est un espèce de... C'est un espèce de simili. C'est du simili avec une partie tissu. Donc très qualitatif, très 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 confortable. Et nous nous retrouvons, bien sûr réglable en hauteur, tout ça. Hein, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Eddy, voilà, là on va rentrer dans la partie, moi j'adore ça. Recule un petit peu. Encore. Recule. Mais tu peux reculer, recule. Eddy. Énorme. C'est énorme. Voilà la particularité de ces véhicules-là. On est sur un véhicule qui fait 7 mètres, encore une fois, je le rappelle. Mais regardez le salon qu'on a ici. Regardez cet espace de vie qu'on a ici. Et regarde, c'est pas qu'un espace de vie. Je déplie ma table. Ah bah tiens, le prix. Je vais le mettre là. Je déplie ma table et regarde ça. J'avance mon siège. Toi qui aimes bien taper le carton, tac tac. Eh oui. Un bon repas, ah, un oui. Bon apéro. Oui. Là, on tient à combien là, Cyril? Oh, ben, allez, facile. Ouais. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ouais, 6 facile. Mais vraiment, six à l'aise. Voilà, en écartant les coudes, en étant vraiment tranquille. Après, si tu veux serrer, tu mets 3 personnes là, tu mets 3 personnes là, 2 ici, ça fait 8 quoi. Tu peux même mettre un petit tabouret ici et t'es à 9. Donc autour de ta table, tu peux vraiment être bien. On le rappelle encore une fois, on ne dit pas que les camping-cars c'est fait pour être à l'intérieur. Beaucoup d'entre vous peuvent penser, oui, mais un camping-car c'est fait pour voyager et vivre dehors. Oui, on est totalement d'accord avec vous. Mais les gens qui utilisent leur véhicule plusieurs mois dans l'année, dans des nuits d'hiver, dans des nuits fraîches, eh ben ils ont la possibilité d'accueillir et d'être bien autour de leur table. Et d'ailleurs, c'est une réalité puisque de plus en plus de gens vont vers ces implantations. Mmh. Donc preuve que c'est une demande dans le marché de laisser tomber le lit permanent fixe à l'arrière pour pouvoir avoir ce type d'implantation. Donc très c'est bien, Fleurette, d'y être allé. C'est très bien. Maintenant, on va parler des particularités oui. De Fleurette. Donc, notre table en portefeuille, ça, avec les salons face-face, ça permet d'y arriver. On est en 4 places carte grise, Eddy. Hein, donc, ça veut dire que tu fais une place ici, tu fais une place ici. Hein. Oui, c'est ce qu'on a vu tu dans la soupe. Tu mets les armatures et puis voilà. Maintenant, alors, plusieurs choses. La première des choses, on a la... Déjà, si tu as envie de faire une petite siestoune, parce que tu as le lit qui est au-dessus de ta tête. Hein, on le verra d'accord. Après. Mais si tu as envie de faire une petite siestoune, je vais faire attention à toi. Tu vois, tu peux facilement te poser, tu mets un petit coussin, tu vois là, comme ça, là. C'est bien, hein. T'es bien. Ouais, je suis bien, ouais. On va peut-être rester là un peu. Voilà, donc tu vois, tu peux t'installer sur cette banquette pour te reposer, faire une sieste, bouquiner, quoi que ce soit. Tu n'es pas forcément obligé de descendre le lit pour ça. Ça, c'est une première chose dans ces implantations-là qui a son intérêt. Ensuite... Alors, à chaque fois, vous avez vu que je m'appuyais sur la table, mais la table se fixe, elle ne descend oui. Pas à chaque fois que vous appuyez dessus. C'est parce qu'on l'a débloqué pour vous montrer la suite. Au niveau rangement, alors il n'y en a pas énormément dans les lits pavillons de ces implantations-là pour une raison qui est très simple, c'est que les lits descendent jusqu'en bas. Donc à partir du moment où le lit descend jusqu'en bas,
tu peux pas avoir des meubles qui sont hauts comme ça, sinon ça rehausse le lit et t'es obligé d'avoir une petite échelle pour monter, c'est pas le but. Malgré tout, Fleurette nous a fait ces trois petits rangements supplémentaires qui sont ici. Et il y en a toujours besoin de rangements. Voilà, donc on va pas le charger à fond hein, ici, là. Mais on peut utiliser ces trois petits placards pour mettre des choses, cacher deux, trois petites choses. Pratique, rien de ce côté, seulement ici. D'accord, ok. Okay. Et la particularité de ce camping-car, de celui-ci, c'est que pour baisser le lit, nous n'avons pas besoin de toucher à ces sièges-là. Ouais, ça c'est bien vu, bravo Fleurette. Ouais. Alors encore une fois, on dit tout. Hein. Ce véhicule, nous à la convention, quand on l'a vu, on a fait remarquer à la marque, on lui a dit, écoute, c'est vrai que c'est bien de ne pas avoir à bouger les sièges, à ne pas avoir à bouger les dossiers pour baisser le lit, c'est un avantage. Maintenant, il faut se rendre compte, chaque choix a son avantage, chaque choix a son inconvénient. L'inconvénient de ça, c'est que vous avez un dossier qui est forcément un peu moins large. Oui, il faut que ça passe derrière. Ouais. Voilà, il faut que ça passe derrière le lit, c'est la logique même. Donc ça c'est le choix de la marque. On leur a dit c'est bien, c'est super de pas avoir à baisser le lit, mais attention, pas avoir à baisser les sièges, mais attention quand même, c'est forcément un petit peu moins confortable. Ouais, ou même question visuelle, quand tu arrives avec ce genre de choses, tu te dis ouais c'est peut-être moins confortable. Exactement. Et ben ils ont écouté et on a un laps de temps assez record. Ouais, bravo. On a vu apparaître ces petites choses là, donc qui se scratchent en fait à l'arrière hein, des coussins. Et ben écoute. On l'a essayé très franchement. En toute objectivité. Ouais. Ça change tout. Ouais, à venir essayer. Hein. Ouais, t'es maintenu là au niveau des lombaires. Ouais. C'est super agréable et au final, tu ne sens même plus que t'as un coussin. Donc, ça, c'est réactivité extrêmement rapide de la part de la marque. Bravo. Ouais. Félicitations, c'est super utile. Non, vraiment. C'est super utile. Donc, voilà. On continue. On a ici. Regarde, Eddy. L'avantage, Cyril, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai qu'on le verra peut-être par la suite. On est sur un plancher plat tout le long. Oui, tout à fait. Il y a la seule marche, pour monter dans la soute, dans la cabine. Ce qui est normal pour avoir les pieds qui touchent par terre, mais sinon on est sur un plancher plat. Exactement, super. Un plancher plat de partout. Regarde ici, accès à la pompe, juste là, pratique. Parfait. Accès au réservoir d'eau propre, ici. Je le précise, chez Fleurette, tout est hors gel. Les eaux propres comme les eaux usées, tout est hors gel. Vous pouvez attaquer la montagne, ça vous gagne, aucun souci. Ouais. Et donc je vais baisser ma table. Alors, comprendre comment ça fonctionne. Oui. Pour la majorité du temps, quand les clients seront deux dans le camping-car, pour 90% du temps, la table, tu la baisses juste au-dessus, tac, juste au-dessus, là tu vois, elle reste comme ça, des coussins. Pour baisser ton lit. Hein. Oui. Pour baisser le lit. C'est la seule manip qu'il y a à faire. Et si éventuellement, prendre les deux. Tu peux les mettre devant. Juste là, ouais, comme ça. Voilà. Donc, éventuellement, baisser ça, comme ça, voilà. Ça sera la seule manip à faire. D'accord ? Oui, ou le mettre là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre. Tu les laisses pas contre les meubles pour laisser passer les meubles. Okay. Voilà. Si jamais, quand tu veux être à 4, parce qu'encore une fois, tu peux être à 4, il faudra faire passer la table, alors c'est une contrainte, hein, on va le dire, encore une fois, on dit tout, il faudra faire passer la table sous les sièges ici. Ouais, donc il faut lever les assises avant. Lever les assises et baisser la table. Et la table, elle va venir reposer sur la partie meuble pour pouvoir tenir deux personnes qui dorment dessus. Ouais. Mais ce sera possible, pas de problème. Ok ? Parfait. Une fois que tu as fait ça, hop. Et tu vois ? Le lit descend, électrique. Hop. Le lit descend il passe et derrière. Ça passe. Derrière les meubles. Voilà, derrière les coussins. Derrière les coussins, oui. Comme ça, on n'est pas embêté. Et je me retrouve. Donc, le lit qui fait 150 ici. Hein. Donc, large. Et je me retrouve. Attention, les pieds. Ah. Très confortable. Hein. La matelasserie, encore une fois, chez Fleurette. Très, très confortable. Et regarde hein. Un mini lanterneau, toujours lié. Toujours lié, tout petit. Un tout mini. Et qui s'ouvre. Il s'ouvre en plus, ouais. Il s'ouvre et il y a une moustiquaire et un occultant. Énorme. Non, mais c'est vrai que si tu dors à mi-hauteur, entre celui-ci qui est au grand... Attends, je reviens. Si tu arrêtes ton véhicule, ton lit à mi-hauteur, et que tu ouvres celui-ci, celui-là, ça te fait de l'air, tout ça, c'est pas désagréable. Bah oui, c'est marrant de voir. C'est marrant d'un tout petit, un ch'ti. Un mini lanterneau comme ça. Et après, je remonte mon lit. Quoi, y a pas 10 millions de manipulations. Donc, je peux l'arrêter où je veux. Hein. On est vraiment, il n'y a pas de butée, je l'arrête où je désire l'arrêter.
Oui, de toute façon, si un jour vous êtes à 4 et que tu fais un couchage en dessous, ouais, tu l'arrêtes pas. Exactement. Ok, parfait. Pour le... Nickel. Pour le après, il dit ici, attends, j'aimerais juste vous montrer un petit peu. Je regarde le ciel de Lyon en même temps. C'est vrai qu'au niveau éclairage, c'est très joli à chaque fois. Oui. Ah bah oui, l'éclairage chez Fleurette, ils y font gaffe, hein, c'est sûr. Donc tout à l'aide, hein, évidemment. Et c'est vrai que le rétro-éclairage ici, puis l'habillage du lit est très design aussi. Ouais, avec ses nervures type arbre. Type arbre. On est un peu dans, hein, regarde dans un truc la nature. Dit... Oui. Faire un peu de technique. Faisons. Là. Ah, je déménage, hein, excusez-moi. Ah bah, on montre. Hein. Hop. Regarde. Ici, tac, accès au boiler, facile. Oui. Ok. Ici, bah pour faire le... Pour faire la place face route. Voilà, pour faire la place face route. Et ici, j'ai l'accès à mon chargeur et à ma batterie cellule. Très bien. Et il y a le coupe-circuit qui est juste là. Ouais, bon, je le verrai pas, mais voilà. Et ici, hop, disjoncteur fusible. Tout le technique est là. Tout le technique est de ce côté du véhicule, facile, enfin facilement, oui, facilement accessible à partir du moment où vous enlevez vos coussins. Oui, mais c'est pas... C'est mais pas, accessible, c'est pas, sièges, pas non plus, tu vois. Ça va être vite refait quand même. Tac. Et ça. Là. Et puis là, on retrouve, hein, bah, j'en profite le temps qu'il termine, on retrouve la... on retrouve c'est la... bon, c'est bon. On retrouve la trappe, toujours la trappe pour les chaussures. Exactement. Bien utile. Voilà pour notre grand salon. Et là, Cyril, regarde, il y a un autre tiroir là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, excuse-moi. C'est l'accès à la pompe. Ah, d'accord. Ah, ouais, on l'avait pas montré déjà? Si. Mais si, on l'a montré. Oui. Excusez-nous. On prend de plus en plus de temps à tout vous montrer. On oublie qu'on vous montre les choses. C'est ça. Pardonnez-nous. Je sais pas si je l'avais dit aussi, on va le redire. Deux ouvertures vérin à pression pour ouvrir les baies. Donc pas la peine d'avoir le clic, vérin à pression chez Fleurette Florium de série, c'est très très bien. Le salon, il est bien. Ça va pour le salon ? Salon spacieux, on passe en cuisine ? Go ! Coucou toi. Bon, ça paraît difficile de la cacher maintenant. Hein. La télé 32 pouces, elle est là. Oui, vous l'avez vu, hein. Elle est là. Donc... Et elle change un peu cette cuisine. Hein, hein? Elle change sacrément cette cuisine. Pourquoi tu dis ça? Bah, au niveau design, la cuisine change. Je trouve qu'elle change. On est passé sur la cuisine un peu plus droite. Ah bah dans ces implantations-là, on est sur l'espace cuisine. Et pour le coup, déjà, il est très grand. Ouais. Je rappelle qu'on est dans un 7 mètres de long. Et on vient d'avoir un salon qui était immense. Et là, en effet, on a un plan de travail. On a une cuisine qui est, c'est vrai, qui est très, très, très grande. Avec la télé 32 pouces qui est ici. Bah en fait, regarde, moi en fait, c'est si je me mets sur mon côté passager ou conducteur, et ben je suis bien. Regarde, dis donc. Ah bah là, pour regarder, alors on va dire les choses encore une fois, hein, comme toujours. C'est vrai que si vous aimez regarder un match de foot pendant que madame cuisine et qu'elle n'a pas envie que vous regardiez un match de foot, c'est pas compliqué, elle va faire... Ça va chérie. Donc voilà. Ouais. Donc, malgré tout, dans cette implantation-là, trouver... Alors, tu vois, elle est sur un pied. Hein, on peut vraiment, quand on a fini de faire la cuisine, tout ça, on peut vraiment se retrouver à deux dans son salon et avoir une télé qui est vraiment, vraiment immense. OK ? Et le compartiment est finalement assez discret. Tu vois, ouais, dans sa petite niche, elle est bien. Ouais. T'es pas obligé d'avoir une 32 pouces. Tu peux avoir une plus petite. Hein, on met ce qu'on veut. Mais c'est vrai que t'as la place de vraiment mettre une grosse télé. Eddy, viens. Allez. Viens. Regarde notre plan de travail avec notre fameuse, alors ça c'est une nouveauté chez Fleurette, hein. Tu vois un couvre-évier qui est à fleur du plan de travail. C'est bien pensé. Ce qui permet, tu vois, d'avoir vraiment un plan de travail qui est très très grand en ayant notre gazinière 3 feux dans laquelle vous aurez toujours un feu qui sortira nickel puisqu'on on en utilise en général que deux. Mais on a un 3 feux, tu vois, avec un beau plan de travail, aucun problème, c'est épuré, la crédence ici qui est alu, tout ça, très joli, rétro-éclairé. La haute aspirante de série chez Fleurette. Hop, doucement. Parce qu'elle y va, hein. La nouvelle haute, attention, elle n'a pas peur. Hein. C'est important de le savoir, dans la gamme Fleurette Florium, vous avez du pilène
sur tous les véhicules. Le pylène, c'est cet isolant thermique et phonique qui est collé sur la partie plafond du véhicule et qui vous permet d'avoir une meilleure isolation au niveau du froid et aussi au niveau de l'acoustique. C'est en général que sur les véhicules haut de gamme qu'on peut se permettre ça. Parce que c'est une technique de construction qui est quand même à part, hein, il faut le dire. Et ben chez Fleurette, tous les véhicules, ils ont du pylène. Donc, si tu fais un petit peu le raccourci de tout ce que je dis, globalement, quand t'es sur du Fleurette, globalement, t'es sur du haut de gamme. Tout à fait. Voilà. On est d'accord. Hop, on continue. Allez, les prise 12 volts ici pour brancher son, pour brancher sa tablette, son téléphone. 12 volts encore ici et 220 ici. Mm-hmm. Ok. Et attention. Alors là, dans ces implantations, l'espace cuisine. Et bien travailler là aussi au niveau du rangement, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est une implantation où on cherche le rangement et la vie dans le véhicule. Ouais. D'accord ? La poubelle, le casserolier, rangement, rien de ça, attention, attention. Tac, 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 j'arrive à peine à passer tellement il y en a. Hop. Et avec ça, on a de quoi faire de la belle cuisine. Alors, faut savoir, comme vous le savez, vous commencez à le savoir, Eddy cuisine très bien. Donc, si un jour, moi, je m'achète un camping-car, ça sera sûrement une implantation comme celle-ci. Et je prendrai un Eddy qui me suivra, parce qu'il est hors de question qu'on voyage ensemble, je suis. Et il viendra juste me faire la bouffe dans le camping-car. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Qu'on dit bien. Avec tout ça, là, c'est bien. On se retourne, Eddy. On arrive sur plusieurs choses. On arrive sur notre centrale Fleurette habituelle sur laquelle vous allez avoir donc, la mise en route des auxiliaires, des pompes à eau, des éclairages, les températures intérieures, extérieures, etc. etc. Vous avez mm-hmm. tout hein, sur les Fleurettes, les réserves d'eau. Vous pouvez programmer votre réveil, tout ça. Le CP+, qui est de série sur tous les Fleurettes, c'est très bien. On a ici un beau miroir. Avec les rétro-éclairages, c'est très design, on est sur quelque chose de très qualitatif, ça c'est beau, c'est agréable à regarder. Et on a notre grand frigo, ici, 150 litres, avec la partie conservateur automatique AES, bien évidemment. Là, on a... Ah bah tiens, là vous avez un gros sac. Alors vous voyez, on a pris le véhicule à la volée, donc on s'est toujours pas comme d'habitude, préparé. Hein, qu'on soit chez nous ou ailleurs, on s'est toujours pas préparé. Donc ici, rangement supplémentaire, bien utile. Je leur remets, je remets là où c'était. Et ici, Eddy, encore, regarde, pour mettre les bouteilles. Tu pensais qu'on avait oublié. Très bien. 4 bouteilles ici, sous le frigo. Mais c'est pas fini. Ah. Regarde. Ici, un bout de penderie. Mmh. Et en dessous la même chose, encore un petit bout de penderie. Vous allez me dire, mais c'est fou, il a pas beaucoup de rangement ce véhicule au final. C'est fou, il a pas beaucoup de rangement ce véhicule au final. On est en train de vous charrier là, parce qu'il y a une porte qui est fermée depuis tout à l'heure. Oui, ben attends, on va y aller après. On y va, on va vous faire un combiné salle d'eau, on va vous faire le combiné. On finit. Allez. Allez, on y va. On y va ? Allez, allons voir ça. Avec quelqu'un ? Non, c'est bon. Non. Allez. Bonjour. Coucou tout le monde. Alors, bon. Nous voilà dans la partie arrière de ces fameux véhicules, donc du 69LO, où, vous l'avez compris, la chambre, le lit, il n'y a pas de chambre à proprement parler. L'espace où on dort, c'est le lit est au plafond, on baisse le lit, on dort, on fait ce qu'on a à faire, si on veut faire d'autres choses, il n'y a aucun problème, mais terminé. Le reste, c'est l'espace vie, et l'espace vie, ça passe aussi par le rangement et la salle d'eau. Et bien là, tout l'arrière du camping-car est fait pour l'espace rangement et salle d'eau. Pour ce qui est de la douche, Eddy, on a un lanterneau sur le dessus, hop, avec une douche qui est juste immense. Immense, je rappelle qu'on est dans un véhicule qui fait 7 mètres et une douche qui est immense avec quelque chose qu'on aime beaucoup, le rétro-éclairage. Ça, c'est top. Voilà, qui est à variation. Donc, tu vois, tu peux baisser l'intensité. Là, c'est fait pour toi, ça, ça c'est bien. Avec toujours chez Fleurette. Ah, bien c'est utile, pratique, que c'est utile ça. C'est bien ça, pour mettre les serviettes, pour faire sécher les serviettes. Donc, lanterneau au-dessus de ma tête. Et bien là dans la douche, moi je suis au top, moi. Regarde cette place, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Hop, je l'ai fait sortir. Qu'est-ce que tu veux demander de plus?
Ah, je veux dire, même si, voilà, on est un bon vivant, hein, comme on dit, un peu comme moi, mais encore plus, on a largement de quoi faire. Largement de quoi faire. C'est hyper agréable. Mais c'est pas fini, Eddie. Ah. Là, on continue. Tu vois, là ? Ouais, ouais. Regarde ça. Derrière. Ouais, c'est top. Là, tu ranges tous les... T'es parti pour des années, là. Ouais, c'est bien. Mais attends, c'est pas fini. Ah. Regarde. Oh, là, là. T'aimes bien les trucs là, on peut mettre les épices, là. Ouais, les... Ah, tout ce qui est cosmétique, quoi. Voilà, cosmétique, dentifrice, tout ça, tu mets tout là-dedans. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Tiens, passe. Hop. Ah oui. Sans déconner. Ah non, c'est... Mais attends, c'est pas fini. Attends. Ah, le même, le frère jumeau, impeccable. Mais attends, c'est pas fini. Attends. Non, ouais, mais bon. Regarde ça. Oh. Jusqu'au coude, presque. Oui, ça manque pas de rangement. Mais attends, c'est pas fini, attends. Regarde la vasque. J'aime bien la vasque parce que c'est une vasque posée, mais elle est un petit peu encastrée. Ouais. Et c'est pratique parce que t'as une très très belle vasque avec, tu vois, un mitigeur qui est magnifique. Et en fait, tu laisseras rien poser ici parce que dès que tu... Les serviettes, les machins. Oui, voilà, mais bon, dès que tu vas rouler, il faut faire attention quand tu mettras un coup de frein. Ah, mais non, la serviette, elle va en bas, pardon. Mais voilà, t'as un report serviette ici. Mais attends, c'est pas fini. Regarde ça. Hop là. Attention, recule, Eddy. Oui. D'accord. Mais attends. Eh oui. Mais non. Les deux petites penderies là. On vous a montré les deux petites penderies. Peut-être que dans vos têtes vous vous êtes dit, oh, c'est un peu juste quand même. Et ben voilà, il y en a encore une ici. Et la penderie, bien sûr, c'est quand même classe sur un rail à billes avec un frein. Ah, tu m'excuses, c'est top. C'est génial. Attends. Pardon. C'est super. Bien pensé. Ah, moi je suis fan. Bien pensé. Et au niveau de notre WC, bah écoute. Et attends, c'est pas fini. Oui, alors ça, c'est... Ah. Oui, c'est un rangement, mais où il y aura plutôt la technique de la télé. C'est plutôt fait pour mettre le démodulateur, si tu mets une antenne SAT, tout ça, parce que la télé est juste derrière et oui, ici. Et oui. D'accord, oui. Donc désolé, Eddy. Il est content, Eddy. Il avait vu un meuble, il s'est dit, oh, c'est génial. Oui, c'est un meuble, mais si tu mets une télé il y aura le technique de la télé. Cela dit, comme dans beaucoup de camping-cars, le démodulateur, tout ça, c'est souvent apparent. Là, le démodulateur, il sera totalement caché. Oui, toujours dans un placard, quoi. Ah, ça dépend, t'as des marques, des fois, c'est pas le cas. Hein. Et encore un lanterneau au-dessus de toi. Hein. Et on a un lanterneau au-dessus de la douche, et un lanterneau, regardez, Eddy, comment il est. Ne bouge pas, donne-moi juste le... Ne bouge surtout pas. Regardez comment Eddy me filme. Regardez-le là. T'es bien là? Regardez. Il est bien là. J'étais ma position, j'étais bien. Allez, tiens. Donc tu vois, au niveau du WC, écoute, t'es bien. Et ici, pour le petit... Donc tu vois, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que t'as la place, quoi. Ouais. T'as la place de tout. De tout faire, ouais. C'est ça qui est super. Dans un véhicule qui est court. Ah ouais, c'est, voilà. C'est les implantations qu'on aime bien aussi. Moi j'adore, ouais. Moi vraiment j'adore. Donc voilà, on... petite conclusion. Allez. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de beau sur ce 69 LO? Nouvelle arrivée dans la gamme, nouvelle proposition de la marque Fleurette. D'ailleurs, félicitations encore une fois au passage, parce que c'est vrai que Fleurette qui s'inclut dans le marché de plus en plus vite. Mais d'ailleurs, Fleurette, il y a l'image Fleurette, moi je trouve qu'elle est en train d'être bouleversée, Eddy. Il n'y a qu'à voir avec nous. Fleurette, c'est la première. Ils nous ont dit, venez montrer l'usine, tout ça. Ils nous regardent sur YouTube. Ça a été les premiers à nous dire. Tu vois, j'ai l'impression que Fleurette est en train de changer, de garder le savoir-faire. De ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des véhicules haut de gamme, de qualité, bien travaillés, bien construits, mais tout en étant de plus en plus avant-gardistes. Et ce véhicule-là, bien que Fleurette n'ait pas inventé le concept, attention, hein, on n'est pas en train de leur donner ce trophée, si encore on pouvait en décerner un, hein, mais Fleurette, malgré tout, fait partie des marques qui ne sont pas les dernières à lancer cette implantation-là, qui plaît de plus en plus. Et je le répète, c'est un véhicule où on a l'espace de tout, c'est-à-dire on a l'espace du salon, on a l'espace de la cuisine, l'espace rangement, salle d'eau et l'espace chargement aussi. Parce qu'on a une soute qui est immense. Tout ça dans moins de 7 mètres. On a joué sur quoi au final? Qu'est-ce qu'on a fait?
On a simplement dit que la chambre ne servait qu'à dormir. Entre autres, je m'accomprends. Donc la chambre ne sert qu'à dormir. Donc à partir du moment où quand on dort, on est dans son lit, on n'a pas forcément besoin d'autre chose que d'un lit. Le lit, il est ici, on le descend, il est confortable, il n'y a pas de souci. Quand le lit est baissé, on peut sortir de là du véhicule, il n'y a aucun problème, ça ne freine pas la sortie du véhicule. Voilà, on est sur quelque chose d'innovant qui fonctionne. Nous, on pense que ça va trouver sa clientèle. On y croit parce que nous avons commandé ce véhicule-là pour la concession. Voilà, ouais. Nous, on y a cru. Félicitations à la marque Fleurette de lancer un véhicule comme ça en 140 chevaux de série, je le précise, de base. Il n'y aura pas de proposition en 120, donc le prix qu'on vous a donné, c'est sur un 140 chevaux. Moi, j'y crois beaucoup à cette implantation. Je pense que Fleurette a raison de se lancer dedans. Et ça va, moi je pense que ça va marcher. Oui, ça va fonctionner. Si vous avez envie, parce que les vidéos oui. C'est bien, les clients ils nous disent souvent, ils disent oui, c'est bien vos vidéos, on voit tout, mais c'est quand même bien de s'en rendre compte. Ah, sur une implantation comme ça aussi, c'est sympa de monter dedans. Quand bien même. Sûr, la vidéo ça montre des choses, mais il n'y a rien de mieux que le palpable. Il y a beaucoup de concessions Fleurette Florium en France, oui. Donc vous avez qu'à vous déplacer chez votre concessionnaire Fleurette Florium le plus proche. On va vous mettre les coordonnées du site Fleurette Florium et vous pourrez trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous. Allez voir ce véhicule sur la saison 2020 parce que ça vaut le coup. Il sera aussi sur le salon du Bourget, évidemment. Mais allez le voir en concession parce que de nous, la convention, quand on était avec tous les collègues, tous les autres concessionnaires en France, c'est un véhicule qui a fait son effet et on n'est pas les seuls à l'avoir commandé. Donc il y a de fortes chances que vous le trouviez chez votre concessionnaire Fleurette Florium le plus proche. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Et puis si ça vous tente, allez-y parce que encore une fois, des fleurettes, on peut pas en commander toute l'année. C'est ça. Il faut y penser. Si vous baladez au mois d'avril, mai pour commander un fleurette, il y a de fortes chances qu'on vous dise non, c'est terminé, il n'y a plus de disponibilité en usine. Donc pensez-y, c'est pour ça qu'on a voulu vous faire cette vidéo le plus tôt possible. Pensez à aller voir ce véhicule, ça va être livré en concession à partir du mois de septembre, a priori. Les concessionnaires vont commencer à recevoir ça sur le mois de septembre. Donc foncez. Et puis, on espère que la visite vous a plu. On espère que, voilà, ouverture du bal 2020 chez Fleurette. Si ça vous plaît, si nos vidéos vous plaisent, continuez à vous abonner. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et merci pour tout ça. Et puis, Eddy, bisous. On y va, bisous. Ouais. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut, merci à vous. Ciao.